de sa paix. Que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute qui le sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui n'espère.
Gloire à Dieu. Maintenant, nous faisons appel à Sœur Béatrice Granger dans la lecture de la parole de Dieu. Je vais lecture nous dans 1 Jean, verset 1 à 10. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous tous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Bon Dieu bénis-nous. Chanter à la gloire de Dieu. Tu voulus de la paix, la foi tu
Thank you.
Brother Eli. Disposez-nous dans ce moment ça pour nous prier. Moi, pas ta vle que nous restions dans un format qui conventionnel. À l'côte bon Dieu, Jean ou senti ou capable de faire là. Jean senti le Saint-Esprit dit ou là. Si vous senti le Saint-Esprit de Chita ou capriye Chita, s'il doit camper, camper. S'il dit ou et à genoux, s'il doit marcher, marcher. Nous avons juste voulu qu'on prenne au moment ça pour aller à la rencontre du Seigneur, à côté de moment ça, sans hésiter, à côté de lui. À côté, pas arrêter nos formats spéciales, parce que c'est dimanche matin, c'est qu'on s'en doit faire. Non, non, juste à côté Seigneur. Juste à côté Seigneur. Juste à côté Seigneur. Psalmiste dit dans Psaume 20 que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que des sillons il te soutienne, 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 que des sillons des anges qui sortent pour entrer dans bataille pour là, que des sillons des anges qui entrent dans foyer là. Que des sillons, des anges qui entrent dans le dossier là. Que des sillons, des anges qui prennent des filles là. Que des sillons, des anges qui entrent dans le tribunal là pour vous. Que des sillons, des anges qui ouvrent intelligence pour comprendre tout ça. Que des sillons, des anges qui descendent pour fixer petite, fixer mari, fixer madame, fixer ministère. Que des sillons, l'Éternel combattent pour vous, Seigneur. Mais nous devons, dans une minute ça, nous venir humblement. Parce que nous connaissons pas gain aucun droit. Nous pas gain aucune autorité. Nous pas gain aucun mérite. Mais à cause du sang versé, à cause du sacrifice de la croix, Seigneur, nous osons venir encore. Nous venons pour nous demander pardon, Seigneur. Nous venons demander pardon pour sa bouche nous, te prononcer qui te blessé ou. Pour penser qui te venu dans l'esprit nous, qui pas de penser pas au Seigneur. Pour ça que nous t'a médité dans que nous, Seigneur, qui pas selon volonté au Seigneur. Nous venons, Seigneur, nous venons, Seigneur, nous courber pour nous demander grâce, Seigneur. Parce que nous connaissons. Où sont Dieu de grâce? Où sont Dieu de grâce? Où sont Dieu de grâce? Le fait qu'on te permette nous rentrer dans place ce matin, où on provision de grâce pour nous. Le fait qu'on permette nous venir là matin dans présence au Seigneur, où gain restauration pour nous, où gain réparation pour la vie nous, où gain réparation pour famille nous, où gain réparation pour famille nous. Seigneur, côté nous venir là, nous connaissons pas tourner comme ça. Même Jacques femme pète de sang qui te dit si seulement toucher que robe là, lui connaît la vie. A changé. Seigneur, nous ne connaissons pas que vous ou seulement là, mais ou là en entier. Présence ou dans salle la matin. Présence ou dans salle la matin. Présence ou dans salle la matin. Et nous ne pas sortir sans ne pas toucher. Nous ne pas sortir sans ne pas toucher. Nous ne pas sortir sans ne pas toucher. Non, Seigneur, nous ne pas sortir sans ne pas toucher. Nous ne pas sortir sans ne pas toucher. Parce que dans ça nous y est, c'est vous-même qui êtes capable de réparer nous. Dans la bataille nous y est, c'est vous qui gagne nous victoire. Goliath qui gagne devant nous, Seigneur. Oh, c'est où qui a délivré nous de géants. Nous ne pas sortir sans nous pas toucher, au Seigneur. Souffrez la matin, souffrez la matin, Seigneur. Ou de gagne un bon plan, ou de gagne un bon plan. Ou de gagne un bon plan, ou de gagne un bon plan.
gen yo ki ta vle la matin, mais c'est son flo yo et Seigneur. Nous connaît wap visite yo, Seigneur. Gen ki ta vle la matin, mais c'est nan l'hôpital yo et Seigneur. Yo pa capable la, Seigneur. Gen l'autre contrarité. Mais puisqu'on sélectionne nous pour venir là, ou sélectionne nous tout pour une grâce spéciale. Seigneur, matin, avant de quitter lieu ça, nous voulons sortir avec toute grâce qu'on gen pour nous, toute provision qu'on gen pour nous, toute victoire qu'on gen pour nous, toute instruction qu'on gen pour nous, direction pour nous pour la vie nous. Nous pas sortir dans place ça sans nous pas joindre ni. Nous pas sortir sans nous pas joindre ni. Nous pas sortir sans nous pas joindre ni. Sans nous pas sortir sans nous pas joindre ni. Nous voulons une onction pour bataille ça. Nous voulons une onction pour combat ça. Nous voulons une onction pour moment ça. Nous voulons une onction. Nous voulons une onction, Seigneur. Nous voulons une dimension dans où. Nous voulons une dimension dans où. Matin, nous chantons, nous chantons, nous venons à l'hôtel. Mais il faut nous déposer tout, Seigneur. Nous voulons déposer tout, Seigneur. Mais chaque fois, nous battons pour nous déposer, orgueil a toujours taché dans nous, Seigneur. Ou à nous grâce. Chaque fois, nous battons pour nous déposer, négligence a toujours été dans nous. Ou à nous grâce, Seigneur. Chaque fois, nous voulons déposer, toujours gagner un attachement charnel qui dans nous, Seigneur, qui toujours a goumé avec nous. Matin, nous voulons déposer. Ça que nous ne pouvons pas déposer à force, pas nous. Que le Saint-Esprit vienne nettoyer nous. Que le Saint-Esprit vienne nettoyer nous. Que le Saint-Esprit nettoie l'église la matin. Que le Saint-Esprit nettoie l'église la matin. Que le Saint-Esprit sanctifie l'église la matin. Que le Saint-Esprit transforme l'église la matin. Que le Saint-Esprit fait matin un travail que le pote j'en fais. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Oh, les disciples ont été dans la chambre haute. Du feu, le Saint-Esprit de l'Esprit sous forme de du feu. Que du feu descende dans la salle la matin. Que de feu de cet esprit brûle dans nous matin. Brûle, Seigneur, toute semence en ennemi. Seigneur, nous besoin grâce. Seigneur, nous besoin faveur. Nous besoin faveur. Oh, c'est parole qui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par ton esprit. Seigneur, nous voulons engager nous par ton esprit ce matin. Nous voulons engager nous par ton esprit, parce que si ça ne force pas, nous connaissons déjà perdu bataille. Mais avec ou Seigneur, nous avons gagné victoire, nous avons gagné victoire, nous avons gagné victoire. Josaphat a dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ou te répondre, nous te dit, bataille la pas bataille pâle. Ou te dit, bataille la pas bataille pâle. Bataille la pas bataille pâle. Moun qui lâche, moun qui la matin, nous pas connaît qui ça a traversé. Nous pas connaît dans qui situation ouye. Nous pas connaît dans qui combat ouye. Mais matin, nous avons dit que bataille la c'est pas bataille pâle. Combat, c'est pas combat pâle. Défi, c'est pas défi pâle. Nous avons dit que nous parole, comme ou épée, pour dire adversaire comme ça, ou mettre taille bandeau, ou mettre fait sauver, mais bataille là, c'est pas bataille, pas lié, c'est bataille l'éternel. Seigneur, nous comptons sur ma terre, nous comptons sur ma terre, de traverser nous une semaine, et maintenant nous venons adorer, mais nous avons déjà une semaine qui devant nous, Seigneur. Nous avons déjà une semaine qui devant nous, oui, Seigneur. C'est au cap traversé, cap fait route pour nous passer. C'est au cap fait route pour nous passer. Jean lui écrit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Seigneur, c'est où qu'a fait route pour nous passer. C'est où qu'a fait route pour nous passer. Nous pas ouais route, c'est où qu'a fait route pour nous passer. Nous pas ouais route, c'est où qu'a fait route pour nous passer. Nous pas ouais route, c'est où qu'a fait route pour nous passer. Fais route dans maladie au Seigneur. Fais route dans maladie au Seigneur. Vous connaissez? Chaque monde qui l'a, gagne un issue, gagne une tête chargée, gagne un problème, c'est vous-même qui a touché. Ou a touché c'est le net, Seigneur. Ou a touché c'est Marie. Ou a touché Sabbat. Ou a touché gen moun, c'est dans le cœur ou blessé. Yo pas kal ka docteur, non pro di yo blessé. C'est dans le cœur ou blessé. Ou a touché yo. Gen de moun, c'est dans l'émotion yo. Yo blessé, Seigneur. C'est ou kap réparé, c'est ou kap guéri. Parce que la Bible dit nous, ou t'es brisé, Seigneur, pour nous-mêmes, sacrifice qu'on fait, pour nous-mêmes, pour nous joindre guérison. Matin, fais-nous joindre guérison. Fais-nous joindre guérison. Fais-nous joindre guérison. Gen moun matin challenge dans ses finances, Seigneur.
challenge dans ses vies professionnelles. Oh, il y a réponse, il pas gagné. Et on ne connaît pas qui est encore pour y aller. Seigneur, révèle-le à vous-même comme le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Abraham te monte mon avec petite li. Il te monte mon avec petite li comme offrande. Et le petit tate dit, mais quand offrande, il a dit, c'est bon Dieu qui a fait provision. Quel monde matin a besoin de rencontrer le Jéhovah Jireh. Il y a quelques déceptions auprès de mes adversaires. Il y a quelques déceptions auprès de mes ennemis. Ou besoin de révéler à vous-même matin comme le Jéhovah Jireh, comme le Jéhovah Jireh, comme le Jéhovah Jireh. Mais que des monde matin, yo gon ennemi qui a fait force avec yo, yo gon nou guerrier qui campait devant yo, yo pas capable goumen, yo besoin le Jéhovah Sabaoth, yo besoin le Jéhovah Sabaoth, yo besoin le Jéhovah Sabaoth. Seigneur, sous quelque soit forme que nous besoin rencontrer au matin, s'il plaît Seigneur, révèle-le à nous-mêmes. Révèle-le à nous-mêmes Seigneur, ban nous grâce. Fais l'église royale famille grâce Seigneur. Fais provision pour lui dans tout projet yo, que ce soit projet école dimanche, que ce soit ministère de la musique, que ce soit ministère de la prédication et ministère des femmes, ministère des hommes, ministère des enfants, jeunes qui là qui besoin directive. Le plus souvent nous vienne là nous faire affaire nous en créole, mais ou même yo pas senti au communion avec nous. Nous besoin directive, nous besoin provision. S'il plaît Seigneur, fais provision en place ça. S'il plaît Seigneur, fais provision en place ça. Fais provision pour les adultes. Fais provision pour les jeunes. Fais provision pour les enfants. Fais provision pour les couples. Fais provision pour les célibataires. Fais provision, Seigneur. Fais provision, Seigneur. Fais provision, Seigneur. Fais provision, Seigneur. Même Jean Ézéchiel te voit gloire qui descend, qui t'a monté, qui t'a monté, qui t'a monté. Que présence soit envahie nous. Que présence soit envahie nous. Que présence soit envahie nous. Que présence soit envahie la vie nous. Que présence soit envahie caille nous. Que présence soit envahie l'église. Que présence soit envahie nous, Seigneur, et que gloire soit manifestée. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Disons ensemble alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Allah ou grand Seigneur. Allah ou grand Seigneur. Amen. Maintenant, moment arrivé pour nous déposer l'offrande que nous t'apportons. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À nous déplacer avec joie pour nous adorer le Seigneur. Est-ce que l'Église réalise que bon Dieu est grand? Est-ce qu'on réalise que bon Dieu est grand? Eh bien, nous pourrons chanter cantique ça. Nous pourrons chanter, nous pourrons danser, dire bon Dieu est grand. Bon Dieu, moi en grand. Wa, moi en grand. Seigneur, moi en grand. Dans toute bagaille, grand. Bon Dieu, moi en grand.
Dieu grand, frappez mère pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu dans toute bagaille. Bon Dieu, libre. Avec vous, Jack Adonis, les morts, nous les amis. Toute bagaille, bon Dieu nous, hein? Bon Dieu béni, non? La paix, bon Dieu avec nous. La paix, bon Dieu avec nous. Nous comptons matin hein, pour nous en présence, bon Dieu. Après une semaine d'activité, côté Wabvaki, à toute activité, yo. Et matin, hein, bon Dieu, bah, opportunité pour venir en présence et pour la gloire. Et vraiment, c'est un honneur qui est lié. Et à chaque fois, où j'ai une opportunité. Pour bailler bon Dieu gloire, pingo jamais raté occasion pour faire les amen, parce que lui mérite ça, c'est seul bon Dieu non qui mérite ça. Maintenant on salue tout membre l'église là et les amis visiteurs qui là ensemble avec nous et nous content le fait que vous capable choisir tant ça matin pour venir adorer ensemble avec nous et au même qui là ensemble avec nous et au même tout et qui a suivi nous sur réseaux sociaux. Donc non et saluer ou dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je dis à ce premier dimanche du mois d'avril. Donc, vraiment, année a avancé à grands pas. Donc, maintenant, nous sommes contents, ouais, et des amis que nous avons longtemps nous parler physiquement, nous voyons virtuellement, spécialement notre ami Élie Jean-Baptiste, qui se passe de présentation, bien sûr, qui est ensemble avec nous, vient adorer ensemble avec nous. Et nous saluons les non contents où elle est. Et matin, à chaque fois, elle est là. Elle est toujours béni, béni, nom, nom. Et par façon, bon Dieu, servi ensemble avec lui. Et est-ce que quelqu'un là qui est là pour la première fois? Non? Oh, nous avons un ami qui est là pour la première fois. Amel Campé, ben nous non, les gens qui invitent le matin. C'est Frère Fritz qui invite. OK. Donc, nous, Frère Fritz, semble les gars, il va être en mission. Frère Fritz, il a une mission, il make sure à chaque fois qu'il vient à l'église, il y a un monde qui accompagne. Et chaque monde, vraiment, il y a un travail qui fait bien l'église. Et même Jean Apôtre l'a dit, il y a un monde qui juste, il y a dedans depuis qu'il parle ensemble avec les gens, il dit, on sort ensemble avec, on a l'église ensemble avec les gens, il ne dit pas non. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une qualité tout, que Frère Fritz, bon Dieu, Bali et nous, dit bon Dieu merci pour ça et nous dit frère Joël merci peut-être que l'été a accepté l'invitation et notre ami frère Fritz et merci tout le monde qui est là et on va considérer peut-être comme et des visiteurs et nous comptons ouais frère Bolon matin qui est ensemble avec nous qui vient adorer ensemble avec nous et bien sûr nous comptons ouais et pasteur Gilles qui est là ensemble avec nous c'est lui-même qui va gagner et pour porter le message de la parole de Dieu et matin hein? Donc il n'a pas de lire capable rejoindre nous pas boy ici rejoindre ce mona pas boy ici et toute reste activité l'église là il y a pas et continuer pendant semaine on a toujours encouragé pour faire ça on a toujours encouragé pour faire ça participer dans activité prière l'église là c'est un bagage qui est extrêmement important pour dimanche pour non seulement pour vivre mon service dimanche, nous réunis ensemble, nous prions ensemble au cours de la semaine. Donc, matin, nous tous que nous réunis ensemble pour nous capables de venir adorer mon Dieu. Donc, nous demandons pour continuer à participer dans toutes les activités dans l'église. Là. Et jeudi, c'est le premier dimanche du mois, et vous-même qui visitez nous, il n'y a pas aucun empêchement ensemble avec l'Assemblée Coton Marché. Nous demandons capables de participer ensemble avec nous dans le repas. Seigneur, et jeudi prochain, et n'entendre tout le monde de 8h à 9h, et vraiment une étude qui est extrêmement importante que Pasteur Smart a fait ensemble avec nous, et nous commençons à rentrer très fond et dans l'étude là. Donc, nous sommes capables de faire effort et capables de participer dans l'étude ça, la bonne et pour même et pour la vie famille. Si quelqu'un là que vous parlez matin, nous sommes capables de pas un coup de fil, encouragez-vous, même gens avec un frère Fritz, pas un col et encouragez-vous, vous êtes capables de venir ensemble, venir adorer mon Dieu. Parce que c'est tout ensemble que nous gagnons pour vous. C'est un bon dimanche d'adoration, vous êtes avec la paix, mon Dieu. Merci. Continuez.
Viens chanter à la gloire de Dieu, mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul.
Merci Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Capable Chita. Capable Chita. Merci. C'est bon pour nous temps adorer le Seigneur. Moment arrivé pour attendre des messages, parole de Dieu. Fais le vide autour de vous-même. Pas distrait. Concentrez l'esprit. C'est ça que vous pouvez attendre. Par canal serviteur. Pasteur Bernier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par grand ciel, nous merci pour grâce. Merci pour le moment spécial, ça a non, Seigneur, pour nous capables de venir en présence ce matin. Le moment arrivé, pendant que nous venons là pour nous venir bon louange, mais le moment arrivé pour nous entendre voir, nous parler à travers notre ami et serviteur, Révérend Bernier Gilles. Que Saint-Esprit soit capable de continuer à accompagner lui pendant le moment ça va passer là, ensemble avec nous. Et nous-mêmes, l'esprit non capable de disposer, disponible, disposé pour nous entendre parole au matin. Même qui prions, nous ne prions pas parce que nous bons et nous dignes, mais nous prions au nom de ton Fils Jésus qui vivait, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Au Kababa, arrêtez de toute oreille pendant que le révérend Bernier Gilles est capable de délivrer le message de la parole de Dieu pour le matin. Amen. Véo. OK, n'a pas de fond petit camper tout petit et n'a fait un coup de lecture dans premier lettre Paul t'a écrit et bien à l'église de Corinthe chapitre 1 et puis n'a lu seulement verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 et puis seulement verset 18. N'a pli pour vous et puis on va suivre avec attention et une attention soutenue. Nous lis pour vous comme ça. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Que Dieu a mouli capable béni portion ça pour édification nom pam et nom pao ou met chita. Et nous on pral parler rapidement de la croix de Jésus-Christ, la croix de Christ. Nous c'est pas parce que nous non saute non période de Pâques de passion de Christ parce que nous capable parler de la croix, de la résurrection n'importe qui l'est. Parce que ce n'est pas et jour passé ou là que Jésus-Christ est ressuscité. Et il a commémoré la date ça, mais nous sommes capables de parler de la croix, de la résurrection, de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, n'importe quelle occasion, eh bien, nous avons pour nous parler de la parole de Dieu. Crucifixion, frères et sœurs bien-aimés, c'est une peine capitale exécuté côté yo fixé individu crucifié et bien sous yon croix ou bien à yon croix yo attaché main moun yo pral crucifié yo attaché pied li et pour des fois yo kon fè ça beaucoup plus cruel yo kon transpercé moun nan avec des clous. C'est pas petit clou petit ou yo des bagaille mastroc et c'est ça exactement yo t'ai fait pour Jésus-Christ lorsque yo t'ai attaché li lorsque yo t'ai cloué li et ben sous la croix. Normalement c'est pas seulement Jésus-Christ qui était premier monde que yo t'ai crucifié et pratique ça et ben c'est pas seulement romain juif yo t'ai qu'on utiliser li. Et mettez un bon pape dans l'Antiquité qui te kon utilisé eh ben la crucifixion ou te gen par exemple et les assyriens te kon utilisé les perses les carthaginois les égyptiens les romains les grecs eh bien te kon utilisé eh bien
la crucifixion. Nous dit c'est pas Jésus seulement que tes premiers monde ont été crucifié. D'ailleurs, et côté y ont été cloué Jésus-Christ et côté y aurait les Golgotha et quoi moas soit signifie côté zotête qu'on a passé dans zone ça on ban zotête mort. Et mais tout monde ça yo c'est des monde y ont été crucifié. Ça veut dire Jésus-Christ pas premier monde eh bien que y ont été crucifié. Et Romain yo et comme c'est yo qui était en contrôle eh bien Israël dans période là Romain yo te fait exception que yo pas kon crucifié yon citoyen romain yo pas kon appliqué et mes sanctions ça et mais pour yon citoyen romain sauf si c'est yon romain yon citoyen romain eh bien qui était dans complot eh bien contre l'état romain contre le peuple romain contre eh bien gouvernement romain et mais y a crucifié eh bien moun sa qui moun y a kon crucifié c'est vagabond et sous ta dit mot ça haïtien remen utiliser c'est sans ave y a kon crucifié y a pas kon crucifié moun de bien c'est vagabond y a crucifié c'est moun gade non kap simé la terreur moun kap bay problème bandi comprendre gang moun kap bay moun sa ote kon crucifié et bien à l'époque ça le dit juif yo israélite yo yo te connaît très bien et mais qui ça yo te vle faire qui ça te dans l'esprit yo dans pensée yo et bien lorsque yo te prend Jésus-Christ et bien à la croix et là nous lit dans nombre chapitre 25 verset 4 et bien ça dit juif yo on bagaille yo comme ça ou te faire Josué 8 28 2 Samuel 21 verset 9 et mais yo te connaît que moun et mais yo crucifié et bien c'est yon moun et bien son maudit son signe et mais de yon malédiction spéciale moun yo te kon crucifié yo son maudit de Théonome 21 verset 22 rivé dans verset 23. Paul dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 nous saute là la prédication de la croix est une folie pour les perdus. Mais la croix, c'est quoi? C'est quoi la croix pour nous qui sauver? C'est qui ça la croix pour l'église? C'est qui ça la croix pour moi avec vous dans moment? Pour les perdus, pour les païens, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi la croix? Première réponse nous gagnons à question ça, c'est quoi la croix pour nous autres qui sauvés? La croix est le lieu de signes et de prodiges. La loi c'est un endroit de signes et de prodiges. Là n'a parlé de signes et de prodiges. Là nous allons dans Matthieu chapitre 27 verset 50 rivé dans verset 54, nous voit que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ l'était accompagnée de beaucoup en pile signes et de prodiges. Yon signe, là nous parler de signe, c'est pas dans sens créole, m'faut signe pour venir joindre moi. C'est pas ça. C'est yon bagaille spécial, c'est yon bagaille dans Bible là qui annonçait la couleur, il annonçait yon bagaille. Son événement et bien qui pas entré dans l'ordre de l'ordinaire. Yon bagaille qui passait et bien qui échappait à la compréhension de l'homme. Son bagaille qui passait et bien qu'on pas après se saisir pour mettre dans boîte de définition. C'est ça, yon signe et yon prodige. Et mais parmi signes ou bien prodiges qui t'ai accompagné la crucifixion et bien de notre Seigneur Jésus-Christ d'après ça et bien l'évangéliste Matthieu chapitre 27 et bien verset 50 52 53 et même 51 yo et bien il dit que verset 51 dit Jésus-Christ poussait un cri et puis ça crivait premier signe voile le temple lui déchiré de haut en bas. Voile le temple en déchiré. La terre te tremble. Wosh yo fan. Verset 52 a dit, sépulcre yo, tombeau yo, ouvri. Pas oublié, yon simple cri Jésus qui pousse. Il pas touché de main. Il pas fait une force sou yo, sou bagay yo. Il poussait un cri. Voilà le temple
fan. Yo pa bon ciseau pou yo coupe le. Et ça veut dire quelque chose. Li fan comment de haut en bas. Ça significatif. Nous pas le vin sou li. Et puis tombo yo ouvri. Moun ki t'a marché avec bon Dieu les saints, ça passé. Yo ressuscité, yo levé dans la mort. Quelle puissance, hein? Quelle autorité! Donc n'a pas le chita sous premier signe ou bien prodige la voile temple li déchiré de haut en bas. On ne faut-il parler de voile temple? Voile temple, il était séparé le saint des saints. D'après ça, nous lit dans Hébreux, chapitre 9, verset 1 à 9. Là, nous dit le saint des saints, ou bien de capable de dire, il était séparé lieu saint hein, avec le lieu très saint. Nous dit voile temple, il était séparé le saint des saints, ou du moins le lieu saint, eh bien, du lieu très saint. C'est ça, voile temple te fait. Ça veut dire que l'homme te séparer complètement de Dieu. Là, nous songer que dans le lieu saint, ou bien le saint, tu as gagné la présence des sacrificateurs et du souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, tu qu'on entré et bien dans le lieu très saint, ou bien le saint des saints, il ont froid par année. Et qui ça te gagne dans le lieu très saint, c'est la présence de Dieu. Mais il y a une présence très spirituelle. Il y a une présence qui est invisible pour le souverain sacrificateur parce qu'il connaît dans son esprit. Dieu est présent dans cet endroit. Mais Dieu n'était pas visible. Il n'y a pas de kawé. Il n'y a pas de kawé, bon Dieu. Donc, bon Dieu t'est séparé eh bien, des hommes. C'est une séparation, c'est ça, voile temple, l'idée fait. Pour qui sa séparation ça? C'est à cause du péché. Là, nous lisons Esaïe 59, verset 1 à 2. Bon Dieu, pas qu'à coller avec péché, il pas qu'à ouais péché devant lui. Maintenant, en plus, le monde pensait que voile temple, l'idée mesurait environ 18 mètres de haut. L'idée mesurait 18 mètres de haut. Bon, historien, du premier siècle, qui relait Joseph. Joseph dit, voile temple, il a gagné 12 cm d'épaisseur. Et que, sous ta attaché, environ 4 à 5 chevals. 5 chevals ici, 5 chevals dans l'autre bord, et pour marrer, ou marrer un parti dans voile là, ici, ou marrer un parti dans voile là, l'autre bord, et puis, ou pousser cheval ça, yo, yo pas capable de river fond voile temple. Parce que si on bagay qui était très épais, parce que Joseph, l'historien Joseph dit nous ça, il dit il était gagné environ 12 cm d'épaisseur. Donc il était très épais, son bagay qui était presse. Pour montrer dans bon créole là. Livre Exode là, il enseignait nous eh bien en pile information et mais sous eh bien épaisseur et sous question voilà. Voile épais, ça, il était fait avec tissu bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. D'après ça, eh bien, livre biblique y a rapporté. Maintenant, qui ça? Ça veut dire, voile déchiré. Nous te dis, c'est des lits en tant que prodige, nous t'a parlé. Que signifie ce voile déchiré pour moi avec aujourd'hui? Premier, ça veut dire, voile déchiré, ça veut dire que Dieu quittait la terre. Bon Dieu quittait endroit ça. Bon Dieu quittait lieu très saint. Il pas là dedans encore et plus jamais il pas tourner dans un temple et mais qui fait avec mais l'homme. C'est ça acte 17 verset 24 dit nous. Dieu n'habitait pas et bien des temples qui fait quoi de mais d'homme. Et non seulement bon Dieu quitte eh bien espace là, il pas besoin yon temple qui fait avec mes d'hommes,
Mais tout, il n'y a pas besoin de système religieux qui existait avant. Ça n'est l'ancien système ou bien l'ancienne alliance ou bien l'alliance mosaïque. Il n'y a pas besoin encore. Avec déchirement voilà, et bien système ça a tombé. Système mosaïque l'a tombé. Et c'est ça. Nous chantons dans le numéro 41 français, chant d'espérance. Nous dit la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Ça passait pendant voir le temple en déchiré de haut en bas. Donc Jésus-Christ, pas qu'on voile, pas qu'on bagaille matériel encore qui séparait les hommes de Dieu. Avec Jésus-Christ, eh bien, tout le monde gagne chancio. Parce qu'on y a, c'est Jésus-Christ au lieu de un voile. C'est Jésus-Christ qui plaçait entre Dieu et les hommes. Est-ce que l'Église a compris ça n'a pas l'air? C'est Jésus-Christ qui plaçait au milieu. Si ça fait, la Bible dit, ou pas de l'autre côté au capacité pour joindre pour accéder à Dieu, que par Jésus-Christ, voit le temple déchiré de haut en bas. Ça le dit, Dieu vini vers les hommes. Dieu vini vers les hommes. Et c'est ça, le christianisme. Dieu, eh bien, vini, eh bien, vers les hommes. Voir le temple en déchiré en Jésus-Christ, juif, yo, eh bien, yo ka entré. Païen yo ka entré. Boko ka entré. Malfecte ka entré, gen place pour yo. Bandit ka entré. Criminel notoire ka entré, gen place pour yo. Parce que, voir le temple en déchiré et nous pas besoin yon moun quel yon pasteur quel que sa jan le rele a nous pas besoin moun pour introduire nous à Dieu nous même pour compte nous aller les nous gon problème et ben nous parler avec par intermédiaire de qui est par Jésus-Christ parce qu'il est placé entre eux et bien Dieu et les hommes. C'est ça que la Bible a dit. Il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu, comme on le relève. Jésus-Christ. Très bien. On dit que l'entrée du Saint des Saints est désormais ouverte à tous et en tout temps. Et pas qu'on y a à l'ouvert, non? Mais il est ouvert de façon permanente. À minuit. Eh bien, autant de l'évangile ou voulez venir joindre Jésus-Christ, l'est ouvert. Quel que soit l'heure, et à tout type de monde, quelle que soit votre situation spirituelle, l'est ouvert pour vous. C'est tout le monde. Lieu saint, l'est ouvert. Et troisièmement, voir le temple, l'est symbolisé, je ne sais pas, Jésus-Christ. C'est ça le chemin, et mais qui pour mener un beaucoup de papa, d'après Jean 14, le verset 6, et nous dit Jésus-Christ, lui prend place, eh bien, temple, et voilà, parce que c'est lui qui fait pont, eh bien, entre Jésus-Christ, entre Dieu, eh bien, et les hommes, c'est Jésus-Christ. Le cri poussé par Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés, lui déchiré, voile temple-là. Li fan woche yo, li ouvert sépulcre yo, li ressuscité comme moun qui était saint yo. C'est un phénomène remarquable. Son bagage extraordinaire. C'est ça qu'elle nous dit son signe, ça qu'elle nous dit son prodige. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ seulement qui était crucifié, nous te dou ça. Mais la tête pas jamais tremblé, les qu'on crucifié moun avant yo. Et moun après yo vinn pratiquer crucifixion pour yo, pas gon événement qu'on sacrivé. Ça qui montre ça, moun ça, li son moun extraordinaire. C'est un moun, gade non, qui sont pareils. Présence bon Dieu, eh bien, te manifesté, eh bien, lors, eh bien, de la crucifixion, eh bien, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous dit la croix, c'est lieu, eh bien, de prodige et de signe. Voir le temple planté, déchiré, et nous saurons exactement, eh bien, qui ça. Qui ça te voulait dire? Qui ça y est pour nous? Eh bien, nous avons libre accès. Eh bien, nous avons accès, eh bien, à bon Dieu. C'est ça qui fait nous avons salut. C'est ça qui fait nous avons la vie éternelle. Nous avons parlé, eh bien, de résurrection au dernier jour. C'est à cause, eh bien, de ce sacrifice. Eh bien, deuxième réponse,
Eh bien, la question nous t'est posée, c'est qui ça? Eh bien, la crucifixion, la croix, eh bien, il est pour nous. La croix, c'est de Jésus-Christ, c'est lieu de sainteté, son lieu de sainteté que lié. Son lieu de sainteté. Apôtre Paul dit nous, dans Galates 6, verset 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Apôtre Paul dit, eh bien, pour lui-même, eh bien, la croix, le monde est crucifié. Et comme lui-même lui crucifié pour le monde. Nous dit la croix, c'est un endroit, son lieu de sainteté. Puisque Paul dit, le monde, eh bien, est crucifié, eh bien, pour lui. C'est ça, veut dire être crucifié, eh bien, pour le monde. Être crucifié pour le monde, c'est mourir, eh bien, à travers vice nous yo. C'est mourir, eh bien, à mauvaise habitude nous yo. Mauvaise habitude parmi yo tout. C'est mourir à mauvaise mentalité nous yo. C'est mourir à sanrele l'individualiste. C'est mourir à sanrele matérialiste. C'est ça. Être crucifié pour le monde. Mais le monde ici, là nous dit le monde, ça veut dire. Le monde c'est pas et en pile foi, en pile chrétien, on se l'a parlé de le monde. Et il y aurait païen, il y aurait beaucoup. Même pas dans le monde, même pas parler avec le monde. Et pas ça en pile fois mon yo dit. Non, le monde c'est pas yon individu, c'est pas beaucoup la Bible parle. Et pas diab et même pas connait moun ou connait kon touye moun nan. Et pas yo seul, et pas aucun le monde. Le monde c'est un système. Ça que Jésus-Christ dit, eh bien je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. La parler de un système. Monde là en tant que système li organisé. En tant que système li structuré. En tant que système li porteur de valeurs. En tant que système li gagne yon idéologie qui propre à lui-même. En tant que système li gagne propre philosophie li. En tant que système, il y a une discipline, il y a des agents. Ça veut dire, le monde dans la palais, son système imposé, implanté par Satan, le diable. Il y a des agents, il y a une idéologie, il y a une philosophie, il y a une façon eh bien, pour attirer le monde vers lui-même. D'ailleurs, le système du monde est très attirant. Disciples yo très formés yo parfois en pile dans nous par exemple l'un d'après phénomène ça n'est les modes et bien en pile dans mode yo et bien moun qui vini avec yo c'est des moun et bien qui inspiré des idéologies de la philosophie du système ça n'est les modes là mais en pile fois nous emboîter le pas avec mode ça yo sans pas interroger pour nous dire ça veut dire qui ça derrière parce que toute mode ou qui vient sous terre dans monde là il pas mode seulement en tant que mode mais il porteur de yon idéologie mode la porteur de yon philosophie mais ou pas connaît ou déjà centré dans où. Ou déjà s'entrer dans on. Mais des fois, alors entrer dans on comme ça, ou vin un messager du système. Pas qu'on se comprenne. Ou qu'on y un messager du système, ou son porte-parole du monde en tant que système. Sans ou pas qu'on est. Pas besoin de citer mode yo. Nous, ni moi ni ou, nous tous nous connaissons mode yo. Pas vrai? Mais il y a des gens qui pensent mode yo. Et pas qu'on ça va l'arrêter, non? Ou pas y a des bagages qui te allé. Et puis après, il tourne. C'est vrai, il y a créé l'aspect commercial. T'as qu'on te prend pantalon pas téléphone. C'est une période, si ou pas bon pantalon pas téléphone, ou pas à la mode. Ou pas à la mode, si ou pas bon pas téléphone, kap balé, ou pas à la mode.
soumet tes pieds droit. Regardez non pas ou pas ou pas la mode ou même. Et puis vinn gon période soumet pantalon, sou pas mettre pantalon pied droit ou pas la mode. C'est système là qui a bouleversé l'olo comme ça. Et système là qui a vu avoir, c'est le système. Mais li tant qu'on prend, on pas veut faire aucun monde fâché. Moun ki met tatou sou koyo a. Mais gen moun ki met tel ki c'est pour plaisir. Mais li porte de yon idéologie ko pa konnen. Moun ki met pantalon sou misyo, mais sa gon histoire. Y gon bagay ke vle di li porte de yon idéologie, an yen pa fèt pou an yen nan monde lan, nan système nan. Yo fèt pou attirer moun parce que des fois moun k ap vin avèl la l pa konnen, mais l'esprit diabolique lan li konn pou ki sa. Par exemple, yon moun ka habillé en gens décolleté, ça attire les regards du sexe opposé. Et pas ça? Mais li inculqué dans votre pensée, dans la pensée masculine, yon envie comme pas besoin de citer les ou habillé de façon décolleté, c'est l'idéologie. C'est la pensée du monde, c'est le système qui est à l'œuvre dans votre pensée. Donc c'est monde ça. L'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La parler de ce système. C'est le système du monde. Et de ça la parler. Alors que le thème monde, le concept monde, dans Jean 3, verset 16, c'est deux bagailles différentes de sens. Il dit, comment Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Yeah, elle dit si vous pas comprendre la Bible, du Bible gagne sacré les problèmes là dedans, mais non, le sens c'est différent. N'aimez point le monde. Et Jean 2 15 16 17 et Jean 3 16 dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde ici c'est les hommes, c'est pas le système. Bon Dieu pas aimé système, nous sommes à parler de lui là. Système il dit vous ne pas aimé idéologie, philosophie, li opposé à Jésus-Christ. Li opposé à système Christ là. Donc Paul dit, nous dit la croix, c'est un endroit de sainteté. Moun qui adopte la croix, moun qui vivent en bas la croix, moun qui vivent au pied de la croix, tant que moi avec vous, c'est pour nous vivre en façon qui fait bon Dieu plaisir. Pour nous vivre, pour faire bon Dieu plaisir, c'est dans le sens que nous respectons préceptes bon Dieu yo. Nous servir bon Dieu avec fidélité. En pile moun di, en pile moun lè yo sot la, am sot servi bon Dieu. Sot servi bon Dieu. Des fois, moun nan li souhait, li cherche, il dit sot servi bon Dieu. Pour moi même ici, à son endroit où vin apprendre servi bon Dieu. Mais servi bon Dieu, c'est vivre, Jean bon Dieu, vle qu'on vive là, et laisse ou rendre service à bon Dieu. C'est l'on pas raï moun. C'est l'on vivre en façon, eh bien, qui fait bon Dieu plaisir. Ou comme Jean apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 5. Marchez comment? Selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est là ça vous servir bon Dieu. Vous vivez en façon pour bon Dieu, pour faire le plaisir. C'est là ça que vous servez bon Dieu. Paul le dit, eh bien, lui, mon delan, eh bien, crucifié, eh bien, pour lui. C'est le système. C'est la pratique du système pour la parler. Vivre selon le système, non. C'est ça pour la parler. Mais qui côté nous y est, nous dans le monde là. Mais pas oublier, nous c'est un poisson qui dans la mer, pas vrai? Gon chant, gon artiste chrétien qui chantait comme ça. Il dit poisson dans la mer, il va saler, et à vrai? Poisson dans la mer, il va saler. Nous dans système non, mais nous pas obligé prendre forme système là, il est un solide, dans un roche nous y est, nous pas liquide. Y a ça. Parce que yo dit qui ça, yo dit liquide là, qui ça le fait? Il prend la forme du récipient, du vase qui le contient. Si me prend bouteille de l'eau ça, ouais forme ni dans bouteille là. Si me prend bol ça me vide là dans ça, ça l'a fait. L'a prêté même gens? Non, l'a prend forme. Bol mettez là récipient que mettez là ou bien vase mettez là. Mais qui est pour solide là lui-même? Si me prend champ d'espérance ça mettez dans panier ça ça va passer la brette même gens si me retirer dans panier mettez l'autre côté ça va passer la brette même gens
Edge solide là, il pas varier dans forme ni, mais liquide là va varier dans sa forme, il pas gon forme propre. Et bien, en tant que chrétien, qui ça nous doit être pour bon Dieu? Liquide ou bien solide? Solide. Nous ne devons pas prendre forme système, non. Son façon pour nous vivre une vie qui pieuse, une vie sainte, parce que la croix est un endroit de sainteté. Nous disons la croix est un endroit, et bien, quand nous jouons un prodige, la croix nous jouons un prodige, nous jouons un miracle, une bonne cause. La croix, c'est aussi un endroit de sainteté, moun qui épouse la croix, moun qui voulait marcher en bas la croix, et bien, yo doué vivre une façon qui fait bon Dieu plaisir. Et enfin, la croix de Christ, c'est un lieu de victoire. La croix de Christ, frères et sœurs bien-aimés, c'est un lieu de victoire que lié. Colossiens chapitre 2, verset 15 dit, Jésus a dépouillé quoi? Les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement. Comment? En spectacle, en triomphant d'elle, par quoi? Par la croix. Il livrait yo. Il livrait domination yo. Eh bien, en spectacle, autorité yo. Là, elle a parlé de domination, elle a parlé, pour la parler de autorité yo. C'est pas. Et pas gouvernement yo. La parlé, non? Il va parler des gouvernements politiques, yo, mais il va parler des forces démoniaques, les forces dans le monde invisible. C'est de yo la parler. Parce que domination et autorité, yo, ce sont les esprits des ténèbres, les anges déchus. Et bien, par la croix, Jésus-Christ vaincu, yo, Jésus-Christ désarmé, yo, par la croix. C'est ça que fait des monde. Les d'abord Satan. Satan mourit, Satan ceci. Satan a tout cassé couyo. Mais pouvoir Satan diminuer parce que Jésus-Christ vainc yo. Autorité yo diminué. Yo pas même pouvoir encore. Jésus-Christ remporte victoire sur yo. Apocalypse chapitre 1er verset 18. Jésus-Christ dit: "Je suis le premier et le dernier, et le vivant." Le article défini le. Et dit sans pas pareil, c'est défini. C'est lui qui le vivant, pas l'autre vivant. Tout l'autre c'est un vivant. Mais lui, il est le vivant. Parce qu'il pas jamais mourir hein, encore. Il est l'éternel. C'est ça qu'il dit, je suis le vivant. Il est le vivant. Et puis il dit, j'étais mort. Au passé, j'étais mort. Et voici, il va dire, j'étais vivant, je suis vivant, le présent. C'est un présent continu. Je suis vivant. Et comment? Au siècle des siècles, où tu as dit pour le temps et l'éternité. Et puis, comme ça, fort. Qui est-ce qui a dit bagay ça? Président Biden qui a dit ça? Vladimir Poutine qui a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous pensez que président Biden avec ce grand Pentagone, gros bataclan militaire, puis gros armée du monde, Vladimir Poutine qui a dit, je tiens les clés de la mort? Il n'y a pas qu'à dire. Mais Jésus qui dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand un monsieur que les malais bon français, il écrit bagay ça de la mort. Il dit la mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier. Comment? On a beau la prier, la courrielle qu'elle est, se bouche les oreilles et nous laisse crier. La cruauté de la mort. Tout le monde perd la mort. Même les gens qui sont misérables sous terre. Même l'autre temps, ils disent Haïti, les gens qui sont en mais pas les gens qui veulent mourir. Pas les gens qui veulent mourir. Personne ne veut. Parce qu'il y a l'instinct de conservation. L'instinct de conservation. Parce que bon Dieu va créer l'homme pour l'homme mourir. Mais la mort, c'est un accident qui vient
à cause de la désobéissance, pas de monde qui voulait mourir. Ou pas même animaux qui voulait mourir. Ou pas qu'on voit ça? Là, on prend un couteau, on prend tout, on bœuf ou bien, on cabri, tu vois, ça le fait? Regardez, il voulait goumer. Il y a dans lui-même l'instinct de conservation. Pas de monde qui voulait mourir. Je pense que c'est une blague sale de Fab de la Fontaine. Côté, le pauvre bichouon. Nèg même chanter non plein de bois là, il coupait bois, c'était vie ça, elle te connait mené prendre si bois sèche pour la vendre pour vivre la vie. Et puis, monsieur senti misérable, monsieur dit, et puis monsieur met petit paquet de bois à terre. Il dit l'amour vient prendre, l'amour, on pas capable encore, vie ça trop difficile, vient prendre l'amour. Pas oublier, il te bon déjà, c'est un bagage réel, la fontaine c'est un bagage imaginaire, et mais pour parler de réalité, et bien et humaine. Et puis, non, Fabla, la mort paraît, il dit, après les mains, ouais. Monsieur commence à trembler devant la mort. La mort dit, après, tremblerait, il me dit, viens pour où? Il dit, non, mon cher, je vais vous aider à me charger ce paquet de bois. Il a dit, monsieur Nanfal, il dit, plutôt mourir que vivre, c'est devise tout le monde. Pas un monde qui voulait mourir. Donc, la mort, vient un bagaille extraordinaire. La mort, tout le monde perd la mort. Tout le monde perd la mort. Mais pendant qu'on a parlé de la mort, gagner la mort physique et puis gagner la mort spirituelle. La mort physique, c'est qui ça lié? C'est la séparation du corps et de l'âme ou bien de l'esprit. Ou pas dans le texte là, il dit Jésus-Christ fait qui ça? Rendit l'esprit, rendit l'âme. La mort physique là, c'est le corps, hein? C'est les parties invisibles que m'baoué, quel que soit genre la partie immatérielle là, l'elle détachée de enveloppe ça et puis phénomène dans résultat relé la mort physique. Cependant, la mort spirituelle, c'est lorsque l'homme l'y séparé de bon Dieu. La mort spirituelle, c'est lorsque l'homme eh bien séparé avec bon Dieu. Eh bien, corrélé la mort physique. La mort physique, eh bien, son condamnation. Bon, après le péché, bon Dieu te dit, ou sorti dans terre, ou ap tourné dans terre. C'est la parole, bon Dieu, qui a pas appliqué. Mais, la mort spirituelle, c'est depuis l'homme mourit, oui. Il est séparé avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est sous la vie que lié. L'homme séparé avec bon Dieu, ça c'est la mort spirituelle. Mais immédiatement, ou accepter Jésus-Christ qui te remporte victoire sous la mort, sous quoi? Eh bien, l'apôtre Paul dit, en rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. Romains 8, 38, 39, Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour qui ça? Paul dit bagay ça. Parce que Jésus-Christ, il remporte victoire sous la mort. Il est vainqueur de la mort. Il remporte victoire. Eh bien, l'écraser tête ennemi ancien, et mais qui c'est Satan, le diable. Jésus qui dit, je tiens les clés de la mort. Ça veut dire qui ça encore? Avoir les clés, c'est symbole d'autorité. Est-ce qu'on l'a avec? Avoir les clés, lui symboliser autorité. Si son seul monde qui a une clé là, en dedans là, et monde ça a autorité, si pas bon autorité, pas qu'entrer. Si ma on la ikembe clé, c'est celle qui a clé là, dit matin personne ne va rentrer. Là exerce autorité parce qu'il a les clés. C'est vrai? Avoir les clés, c'est symbole d'autorité. Ou bien, il y a des ministres qui prend, yo révoqué, il va aller, il va aller quitter pouvoir en Haïti, ça qu'on fait et puis yo prend clé, yo dit changer clé. Yo changer toute clé. Là vie nous pas rentrer, ou pas autorité encore. Yo changer clé sous où? Ou pas d'autorité. Donc, avoir les clés, c'est symbole d'autorité. C'est-à-dire, Jésus-Christ dit, je tiens les clés de la mort. Il compte ça, la blé dit, il a parlé de son autorité, son pouvoir absolu sur la mort. Et c'est celle qui a dit ça. C'est symbole d'autorité. Et non seulement,
gagne la clé la mort, mais li gagne accès dans l'espace côté moun qui mouri le séjour des morts. Li ka entrer là. Est-ce que nous ka entrer dans, nous ka pénétrer le séjour des morts? Pas gagne nous t'a vla aller tout. Pas gagne moun qui t'a vla aller, mais Jésus qui ka pénétrer le séjour des morts. Le séjour des morts est accessible, eh bien, à Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ gagne victoire sur la mort. Et ça fait la mort de Jésus-Christ, ou bien la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, c'est victoire pas nous. C'est victoire pas nous. Le fait que Jésus-Christ mourit, l'y ressuscité, il gagne victoire, eh bien, c'est notre victoire, eh bien, que la victoire de Jésus-Christ. Ça fait dans 1 Corinthiens 15, verset 55, eh bien, apôtre l'a passé la mort dans bêtise. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Et verset 56, là, quel est l'aiguillon de la mort? Le péché. Eh bien, qui ça Jésus-Christ avec péché? Il cloue le péché à la croix, et puis il remporte victoire. Jésus-Christ, c'est le vainqueur des vainqueurs. Jésus-Christ, il a gagné victoire. Et pas n'importe quelle victoire, son victoire écrasante. Là, il a mouru, il va ressusciter. Et pour le troisième jour, il a ressuscité. Eh bien, nous n'avons pas pour nous ressusciter, là, nous mourir. Nous n'avons pas nous voulons mourir. Nous chantons avec Jésus, c'est fermé, j'ai ouvert l'autre bord. Et puis nous donnons quatre touches, fait bon là, nous. Mais nous avons ressuscité. Si pas qu'il est en vini pour nous-mêmes vivants et nous transformer, regardez, nous avons ressuscité au son de la trompette, pas qu'il est menti sous ça. L'église besoin de quoi? C'est plus grande espérance que nous gagnons. Il y a des gens qui ont doute sous ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul utilisait différentes sciences, et mais pour l'expliquer, bagay ça, que son réalité. Que lié, lui référer avec différentes sciences. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36-37, Paul dit insensé, moun qui dit, moun mouri, mouri net, yo de bon moun mouri net, pas de résurrection. Paul relève insensé, lui dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt pas. L'on plante un grain de maïs, et mais pour grain de maïs, il reprend la vie, ça pour grain de maïs a fait. Paul mourit, et mais, faut nous mourir et mais pour nous reprendre vie que Jésus-Christ lui offre nous. Il y aurait ça la botanique. Paul a parlé de la botanique. On parle de tout texte là, c'est de la botanique. Plante là, ou planter graine là, il levé, il reproduit même graine maïa, même épi maïa. C'est la botanique. Non, verset 38 à 40, Paul a parlé, il fait mention de la biologie, différents corps, animaux, humains, il a parlé de la biologie. Non, verset 41, Corinthiens 15, non, Paul a fait mention de l'astrologie, mais c'est des bagailles pour le prouver, eh bien, que n'a pas ressuscité, moun mourit pas mourir net vrai, de pour mourir en Jésus-Christ. C'est moun qui mourit sans Christ, eh bien, qui mourit net, mais moun qui dans Jésus-Christ ou pas mourir net. Frères et sœurs bien-aimés, en Jésus, nous gagnons la rédemption, nous gagnons pardon pour péché, nous. Colossiens 1er, verset 13 à 14. Eh bien, la croix, lui ouvrit à l'humanité chemin du salut, la possibilité universelle de la grâce. Jean 3, verset 16. Bon Dieu, aimer le monde, c'est l'universalité, c'est pour tout le monde. Eh bien, Jésus-Christ a fait ça le faire, de pour accepter. Jésus-Christ, c'est la cause unique et universelle du salut de l'homme, l'unique médiateur, eh bien, entre Dieu et les hommes. Toute grâce de salut, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus-Christ baille aux hommes, eh bien, il est sorti de la vie, de sa mort et de sa résurrection en un mot de victoire écrasante que il était hypoté sous la mort, frères et sœurs bien-aimés. Sur la croix, Jésus-Christ, eh bien, bat nous l'exemple de toute vertu chrétienne. Il bat nous trois grandes vertus chrétiennes que nous avons, nous devons pratiquer. L'amour, ça ne relève la charité. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Libanou, ça ne relève l'obéissance. Vertu d'obéissance. Il dit, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Selon Philippiens
Chapitre 2, verset 8. Il bat nous vêtu d'humilité. Il était doux, comme un agneau doux. Il acceptait mourir. Il acceptait toute souffrance. Yo, sans le pas esquiver, yon nan yo. Il était qu'à empêcher ça. Il n'est pas allergé. Yo, mais il acceptait. Eh bien, comme un agneau doux, selon Jérémie, chapitre 11, verset 19. Jésus-Christ. À attendre que, en tant que monde qui acceptait la croix, en tant que monde qui partageait sa victoire, eh bien, pour nous humbles, pour nous capables d'où et pour nous capables d'obéir, eh bien, au commandement de Dieu, pour nous marcher suivant et sa volonté. Frères et sœurs bien-aimés, la croix, c'est un endroit, eh bien, de signes et de prodiges. La croix, c'est un endroit, garde nom de sainteté. Moun kap servi bon Dieu, yo, moun kap accepté la croix, yo, nous doit saint. Et bien, comme bon Dieu lui-même, lui dit lui saint. Et puis, la croix, enfin, c'est un endroit, c'est un espace de victoire, parce que Jésus-Christ lui remporte victoire sur la mort. C'est notre victoire, ouais par ouais, et bien, n'a ressuscité au dernier jour, lorsque la trompette l'a sonné, lui vient chercher l'église, lui a, que bon Dieu bénisse. À présent, nous pourrons passer rapidement et dans la sainte table, à côté nous pourrons communier ensemble et inviter tout officier yo, et bien pour rejoindre nous, et bien pour nous capables de faire ça et à la gloire de Dieu. Et pendant que m'a invité l'église là, et bien camper, et bien n'a pas chanté et une parole nous joignent et si vous voulez dans numéro 25, chant d'espérance, réveillons-nous. Numéro 25,